Mais attendez, il y a un bug là, non? C'est pas un bug. Mais là, il y a deux. C'est bizarre, non? Ah bah ça y est, ils se sont débloqués. Ah non, ils sont bloqués dans la zone. What? What? Ils sont bloqués dans la zone. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Ah non, c'est de l'eau. Putain, j'avais soif. Je me dis, c'est bizarre, on m'appelle pour de l'eau. Hey, des fois je pète un câble, moi. Des fois je pète un câble, hein. Eh ben salut à tous et à toutes, c'est PsyTrag. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Frag Pro Shooter. J'ai un truc, franchement, what the fuck. Franchement, what the fuck, donc je sais pas si... En vérité, hein, je sais pas si les développeurs, ils ont écouté mon live à ce moment-là et tout. Mais il y a un an, et du coup, il y a un an et un mois exactement, j'ai fait un live sur Frag, au tout début du coup. C'était mon tout premier live. Et écoutez bien ce que je dis. C'est un live qui remonte au 9 mars. Je vous mettrai le lien du live dans la description. Et ça se passe exactement à... Ça se passe à 1h18. Et écoutez bien ce que je dis avec un abonné. Écoutez bien. Oui, à la place de centre, je pense. J'aimerais bien qu'un jour, il faut enlever 2v2. Ça, c'est l'abonné. Ça, c'est prévu. C'est prévu. Il cherche un moyen de faire des 2v2. Et après, le problème, je pense qu'il y a tout plein de trucs. Il faut faire, gros, faut avoir le même deck, peut-être. Ou peut-être prendre l'un des deux decks. Je sais pas, il y a tout un truc à faire, je pense. À mon avis, ça va être un truc genre 3 cartes chacun. Ouais, mais c'est ça qui est dommage qu'il n'y ait pas 6 cartes. Mais tu me diras qu'il faut un 2v2, 3 cartes chacun et c'est propre. Chacun prend les cartes et puis voilà, quoi. Ça peut être cool. Et à voir si ça change pas la stratégie du jeu, parce que ça change tout. Vous avez bien entendu, ouais. 3 cartes chacun pour jouer en coop. Un an plus tard, vous avez le mode coop qui sort. Et écoutez, c'est 3 cartes chacun. Donc, il y a un an tout pile, on avait prédit Frag. Donc, je prédis que dans un an, il y a un Battle Royale. Non, voilà. Donc, ça, c'était le petit truc que voilà, ça me fait chaud au cœur de penser à ça, de me dire qu'il y a un an, je joue à Frag. Et j'avais imaginé un truc 3v3. Enfin, 3 cartes. Enfin, 3v3. Non, 3 cartes de chaque joueur en 2v2. Et écoutez, ça s'est réalisé. Donc peut-être que les développeurs ont écouté, ou peut-être qu'ils ont eu la même idée, on sait pas, voilà. Mais merci à vous d'avoir écouté peut-être mon live, ou peut-être d'avoir réalisé ça un an après. Du coup, Frag, à un an, ce jeu a un an, c'est what the fuck, quoi, ça passe tellement vite. Donc voilà. Ça faisait longtemps, je sais que la dernière fois qu'on s'est retrouvé sur Frag, c'était concernant soit le mode coop, soit le mode des 12 victoires. Enfin, le défi des 12 victoires, je me rappelle plus. Mais je sais que c'était l'une de ces deux dernières vidéos, ça c'est sûr. Parce que c'est vrai que sur Frag, j'ai du mal à faire du contenu. C'est pas, j'ai un truc qui me freine. Sauf quand j'ai une idée comme ça qui est pertinente pour moi, tu vois, comme ça, paf, d'un coup. Et aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, on va finir ensemble le challenge de Nautica que j'ai commencé hier soir. Et que du coup, je vais finir avec vous en vidéo, bien sûr. Donc les potes, si la vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, bien sûr. Et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et si vous voulez plus de vidéos sur Frag Pro Shooter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un jeu que j'aime bien jouer de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc c'est comme Brawl Stars. Brawl Stars, voilà, j'y joue en ce moment beaucoup moins, hein, pour ceux qui le savent. Je joue beaucoup plus à PUBG, je suis en train de tryhard avec Urbex, mais voilà. Donc ce matin hier soir j'ai rejoué à Frag, et du coup là ce matin également. Donc c'est pour ça que je vous sors cette petite vidéo. On va finir ensemble le défi pour ensuite débloquer Nautica. Elle a un Léviathan. Ah oui, d'accord, c'est Pokémon maintenant. Oh merde. Sur une zone bien précise que vous ciblez, vous posez votre cible, enfin vous posez votre zone, et en fait vous avez un Léviathan du coup qui surgit du sol et qui donne des dégâts à vos ennemis et qui non seulement aussi les expulse. Voilà. Et puis bien sûr, elle shoot à distance, c'est pas une corps à corps ni une long range, elle est kiff kiff entre les deux, c'est moyen, quoi. Niveau dégâts, c'est moyen, elle fait quand même beaucoup de dégâts, mais c'est moyen, mais je trouve qu'elle est quand même assez forte, et donc voilà, il me la faut absolument pour que je puisse un peu augmenter mon deck, si tu vois ce que je veux dire. 19ème game, peut-être la 19ème victoire, c'est qu'il le sait pas, moi je le sais pas non plus, hein, donc c'est parti, let's go. Ok, donc on est parti, let's go. Let's go, mon kiki. Ok, j'ai la milité au fond, c'est ouf. Ok, mes kills. Aïe, je change.
Ça, il fait vraiment mal lui, hein. C'est pas possible. Hein. Ok, je l'ai eu. Ok, je change. Parfait. Oh putain, il y a Jet. Ça fait longtemps, Jet. Jet, je l'aime bien aussi. Hein. Pété. Aïe, aïe, je l'avais pas vu venir celui-là. Je l'avais pas vu venir, je suis désolé. Wallé. Ah, mais lui aussi, je l'aime bien. Ah, bah, en fait, décidément, dans ce deck-là, en fait, il y en a plein que j'aime bien. Aïe, 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 je prends beaucoup de dégâts. Je sais pas ce que j'ai voulu faire. Je change. Évidemment, je change beaucoup de fragueurs en ce moment-là. C'est bon. Ah, allez, on va aller prendre la nouvelle. Et je vais vous montrer c'est quoi son super. Franchement, il est plutôt stylé. Moi, j'aime bien. Regardez bien. Regardez. Allez. Ouah, mon petit Zyokin. Wait, what the fuck. J'aurais pas le temps d'aller prendre du heal, ça sert à rien. Comment on va y attaquer là-bas au cas où. Moi si je vais l'attaquer comme ça, ça va être fait. Non, c'était que 8 PV hein. Là par contre deux coups je suis mort. Bon. C'est bon. Allez. Doublage des points. Oh, je suis mort. Oh oui, là, je suis mort, je change. On va reprendre à quoi. Ah, j'ai lancé trop loin, je me suis loupé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Attention. J'ai fait le dernier kill. Ah non, c'est pas moi. C'est même pas moi qui ai fait le dernier kill. Putain. Oh lolo. Ok, donc les potes, ça y est, on est à 19 victoires. Croisons les doigts pour faire les 20 victoires en une seule victoire. En une seule game, autant pour moi. Oula. Oula. Allez, on part, let's go. C'est parti pour la 20e victoire. Ok, je suis contre un Allemand. Tout va bien se passer, t'inquiète, tout va bien se passer. Je suis avec l'homme des bois là. C'est quoi, je vais prendre lui. Voilà, les dégâts que je mets quand même. Me dis pas qu'il y en a aucun qui arrive à taper la tourelle quoi, c'est abusé. Allez, tapez la tourelle s'il vous plaît. Allez. Il n'y a déjà plus personne. Ah si, y'en a. Ah c'est parce qu'ils se font défendre, c'est pour ça, ok. Ah là, me dites pas qu'il y a personne pour défendre la tour, pour taper la tourelle hein. Mais c'est une blague. Bon, déjà ça, y'en a au moins un qui tape. Par contre, ils sont passés où les autres là? En full défense en fait. Non mais toi va taper là bas hein. Mais attendez, y'a un bug là non? Y'a pas un bug? Pourquoi il est tout seul? En plus il est déterminé hein ce con. Mais ouais regardez, c'est trop bizarre non? Ah bah ça y est, ils se sont débloqués.
Ah non, ils sont bloqués dans la zone. What? What? Ils sont bloqués dans la zone. Elle est pas bloquée par contre. Non, je vais pas mourir pas. Je vais pas mourir comme ça. Ah non. C'est bien ce qui me semblait. Ah ouais, ils sont bloqués dans la zone, regardez. Mais non. Ok, bah merci pour la victoire. Merci pour avoir réussi ces défis. Je remercie ma famille, mes amis de m'avoir soutenu. Bon bah voilà. Mais non. Oh rip. Ah, il... ah non, ils sont même bloqués même si on arrive à taper la tour. Bon bah ok, hein. Bon on va les tuer. Hein. Oh non, les pauvres. Oh non. On va faire les kills. Hein. Voilà. Ok, c'est une victoire voilà, offerte. Hein. On va pas se le cacher, hein, c'est une victoire offerte. Alors j'espère que vous aussi vous aurez le droit à ça durant votre défi, mais moi en tout cas je l'ai eu. Hein. Putain, rip. Ah ouais, rip total. Là, rip total. Bon, ça y est les amis, on a réussi ce challenge des 20 victoires. Enfin, j'ai réussi et merci à vous de m'avoir soutenu durant ces dernières games, dont la dernière qui était un peu... Oh, pas de le cacher, hein, mais voilà quoi. Donc les potes, si la vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, bien sûr. Et merci à vous de me suivre tous les jours, et merci à vous de suivre ceux qui suivent que pour Frag ou que pour d'autres jeux. Merci à vous, et donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain, 9h, pour une nouvelle vidéo, bien évidemment. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ou une très bonne fin de soirée, je sais toujours pas pourquoi je dis ça, c'était FC Travail, allez, wouh! Bye bye! Merci. Putain, j'ai fait une sortie.